Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Aston Matt et on se retrouve pour l'épisode 0 de Comment faire un new hack, qui sera donc sur les niveaux. Donc pourquoi épisode 0? Alors déjà parce qu'il y a 5 épisodes qui sont sortis, et aussi parce que mes tutos Reggie que j'avais fait précédemment, ils sont carrément obsolètes. Et même si le tuto Reggie 1 est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, hein, 997 vues, je les ai mis en privé. Et justement, histoire de mettre à jour tout ça, je vous refais une vidéo dans la série Comment faire New York Hack. Et ce sera mieux pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez tout simplement avoir besoin, alors ça vous en occupez pas, c'est des petits trucs. Vous allez avoir besoin de Reggie Next M3A2, que je mettrai un lien dans la description, bien sûr. Donc, simplement, la première... Enfin, d'ailleurs... Je vais pour vous montrer, pour être sûr que pour que vous voyez en direct, on va dire. Hop, enfin en fait c'est tout le dossier a été supprimé. Oui, supprimé. Oui. Donc là pour ceux qui se demandent, je suis dans l'éditeur de registre, c'est un truc. Voilà. Donc la première fois que vous l'ouvrez, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Et vous demandez le stage folder de New Super Mario Suite. Donc, il va tout simplement, il faut sélectionner votre dossier avec les niveaux et vos tilesets. Donc, pour les tilesets, savoir comment faire un tileset, allez voir le cinquième épisode de la série Comment faire un New Hack. Donc, moi, j'ai pas mal des stage folders, donc je vais prendre celui de New Super Mario Bros. Suite. Donc, si vous les cherchez, ces stage folders, vous les trouverez facilement sur Internet. Je vous mettrai des liens dans la description pour le stage folder de New War Wii et de New Super Mario Bros. Wii. Donc, je sélectionne un dossier. Et donc là, ça va me l'ouvrir. Alors, donc je peux mettre en plein écran. Donc moi, par défaut, je l'organise mon truc comme ça et ça, hop. Voilà, et là, par-dessus. Voilà, donc j'ai plusieurs onglets que je vais vous présenter. D'abord, une des particularités des niveaux de New World, c'est que si par exemple je place un tuyau avec le clic droit, donc vous voyez c'est très simple, c'est super intuitif, vous cliquez juste sur la tile, donc l'objet que vous voulez poser, vous faites un clic droit, vous maintenez le clic droit et vous pouvez tranquillement poser votre tuyau. Donc si par exemple je pose un tuyau et que je fais CTRL S, voilà, il va nous dire il y a eu une erreur de permission refusée. Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement parce que les niveaux de New World sont de base protégés. Et oui, hein. Donc il faut simplement le sauvegarder dans un autre nom. Donc save copy of level as et l'enregistrer ailleurs. Donc là dans New World, donc moi je vais l'appeler par exemple, je vais faire le 01-00, voilà 100, enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier un peu mon stage folder. Supprimer le 0101 de base et après mon 01100 je le renommer en 0101. Voilà, c'est la petite technique du Redstone Math. Donc ensuite vous faites file open level by name, donc la discard, et en fait là vous pouvez choisir justement le niveau que vous voulez ouvrir. Donc simplement là moi par défaut ça ouvre le 11, mais voilà il y en a plein, donc vous pouvez les voir facilement. Donc ah oui, j'avais oublié de préciser, là on est dans New World Wii. Et pourtant, en fait, là, si je fais File et Change Game, on voit que je suis en mode New Super Mario Bros. Wii. Parce qu'en fait, New World Wii est différent. Il a des textures différentes, des mobs différents, etc. C'est pour ça que il est inutile de garder le mode New Super Mario Bros. Wii, sauf si vous faites un hack de New Super Mario Bros. Wii. Sauf que nous, on fait un hack de New World Super Mario Bros. Wii. Donc, on clique ici et vous redemandez votre Stage Folder. Donc, vous le resélectionnez. Faites OK et voilà, ça va load le stage folder, le nouveau. Donc maintenant que j'ai fait ma copie là, si je fais CTRL S, vous voyez que ça marche. En haut, ça marquait unsaved et maintenant c'est sauvegardé. Donc voilà, c'était la petite technique là pour éviter le permission refusée. Donc j'ai mon niveau et vous pouvez voir que par exemple, ici si je clique, ça c'est le message box manager. Donc c'est quelque chose pour faire fonctionner les boîtes de dialogue. Si je regarde par exemple quoi d'autre, si je vais ici. Dans les sprites, donc oui, j'ai oublié de vous présenter les onglets, je vais un peu trop vite. Donc ici vous avez le PA0 qui est donc le tileset dit Dioitu, je sais pas si je le prononce bien,
qui est en fait celui qui contient les tuyaux et les blocs. Donc par défaut dans Newer, il y a aussi des A, B, C, D, enfin il y a des lettres. Mais bon, là pour nous en l'occurrence, on... Enfin, c'est intéressant, mais voilà. C'est aussi ici d'ailleurs qu'il y a les blocs bleus, etc. Donc voilà, c'est le P1-0. Le PA0, pardon. On a ensuite le PA1, donc qui est le tileset secondaire. Enfin, le PA0, c'est le tileset pas primaire, mais le tileset 0 en fait. Et ensuite, le PA1, c'est le tileset primaire. Donc là, c'est un tileset de pilage. Donc, parce que c'est le premier niveau et c'est un niveau de pilage dans Newer. Et le PA2, qui est le tileset secondaire. Et il y a également possibilité d'ajouter un tileset tertiaire, sauf qu'il n'y en a pas dans ce niveau-là. Mais par exemple, je peux prendre celui-là, tiens, et paf, j'ai mon tileset tertiaire. Donc, comment changer tileset? Vous cliquez sur le bouton Area Setting juste en haut. Et donc ici, vous pouvez changer le Diotu. Diotu, c'est bien ça. Donc, il y a le standard, le sous-terre, la neige, la lave, ceux pour les crédits, ceux pour les train wheels, et le standard, mais en bleu. Donc vous pouvez très bien en créer, hein, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, dans le tileset PA1, il y en a plein. Donc moi par exemple, je vais prendre le tileset du désert. Donc ici, je vais prendre le tileset par exemple de l'underground. Pour le tileset secondaire, j'en veux pas, je n'ai pas besoin. Et même chose pour le tileset tertiaire. Ensuite, dans settings, vous pouvez... 665, ils ont fait exprès par mes 666. Vous pouvez set les propriétés. Donc nous on veut qu'il y ait 666 étoiles. On va mettre les 600. C'est le temps du niveau. Entrance ID, ça vous laissez 0. C'est important, c'est à quel endroit Mario va apparaître le numéro de l'endroit. Est-ce que c'est une Todd? J'arrête pas d'agir, ok. Est-ce que c'est une maison de Todd? Donc là, nous ce ne l'est pas. Oui, ça c'est, on s'en fout, c'est une autre option. Ça c'est pour les crédits dans ce niveau. Ça c'est les ambush, donc en gros dans le jeu original, si vous savez les combats contre les Goombas ou je ne sais quoi. Et unknown option, bah forcément c'est pas connu, c'est le principe. C'est qu'on sait pas. Donc nous on va faire ok, parce que moi ça m'air très bien. Là, vous voyez c'est le bordel, parce que là de base il y a le tasset de plage. Donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, et SUPR. Si ça marche pas, parce que des fois ça arrive, vous tout simplement vous cliquez sur le truc, vous le bougez, et ensuite vous refaites SUPR. Donc là ça a marché. Donc maintenant que ça s'est fait, que j'ai mon tileset ici sélectionné du désert, je vais voir, donc vous voyez déjà, on est ici, il y a une espèce de cadre, qui est en fait la zone 1. Une zone, c'est qu'en fait c'est une zone de vue, qui définit où est-ce que le joueur voit, la caméra du joueur. Vous pouvez très bien en créer d'autres en allant dans l'onglet zone, si je le retrouve. Enfin, il est là en fait. Vous faites simplement new, etc. Le new, et après vous la placez avec les petits bords. Donc nous, c'est la zone 1 qu'on va modifier. Donc, les dimensions. Donc ça, c'est simplement les dimensions, donc la taille. Mais ça, on s'en fout, on peut très bien y régler facilement. Ensuite... zoom level, c'est le niveau de zoom du niveau. Zone thème, donc là c'est le thème du niveau, donc nous c'est un désert. La lumière, donc en fait, par exemple underground, ce sera plus sombre. Normal, bah, c'est normal. Sous l'eau, ce sera plus bleu, on va dire. Et lava, ce sera plus rouge. Ensuite, ici, on a des petites options qui est à propos de la layer 0. Donc en gros, la layer 0, le jeu a 3 couches, et je vais vous expliquer ça après. Upper bounds, donc ça c'est pour définir des limites. Background music, c'est la musique qu'il y a en fond. Nous par exemple, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Ah tiens, le freeze flame, la musique freeze flame. Donc ça on s'en fout. Voilà, je fais ok. Le jeu, donc comme je disais, possède 3 couches. La couche 0, la couche 1 et la couche 2. Si je place un sol avec le clic droit, par défaut il est en couche 1. Mario est également en couche 1. Donc admettons que ce bloc ce soit Mario. Merde. Oui, c'est un mec qui m'a un message, c'est tombé, je lui répondrai après. Donc admettons que ces deux blocs soient Mario. Mario marchera dessus.
si, merde, si je mets un objet, par exemple, ceci, en layer 2, et que je le pose, il sera derrière la layer 1. Donc si Mario est là, donc vous voyez là, si je passe sur la layer 1, Mario est par-dessus, mais en fait, il est à la même hauteur, il est au même truc. Si par contre, je passe devant la layer 0, Mario est devant la layer 0. La layer 2, pardon, la layer 2, excusez-moi. Mario est devant la layer 2, et la layer 1 est également juste, est devant la layer 0. J'arrive plus à parler. La layer 1 est devant la layer 2. Donc si je pose un palmier, vous voyez que le palmier qui est en layer 1 passe devant la layer 2. Il y a également la layer 0. Donc si par exemple je pose ceci en layer 0, Mario il passera derrière la layer 0. Et donc justement le principe de ici, c'est que normal, tout simplement, ça fait que Mario passera derrière normalement. Layer 0 spotlight, c'est justement que ça fasse, vous voyez dans le premier niveau du jeu original, Mario il peut entrer dans un mur justement, et ça fait une espèce de petite lumière où on voit à travers. C'est ça. Et si je le mets en large, ce sera plus grand, et si je le mets en full screen, ce sera sur tout l'écran. Et full darkness, bah, tout simplement, c'est noir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Moi, je vais laisser en normal. J'ai essayé de faire un niveau à peu près potable. Donc, simplement, la base, c'est la base dans les niveaux, c'est que là où Mario marche, c'est en layer 1. Les trucs où Mario passe derrière ou les cavernes, c'est en layer 0. Et les décorations, c'est en layer 2. Pourquoi les décorations, on les met tout le temps en layer 2? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter que si on pose d'autres objets, eh ben, que ça passe en layer 1, que ça embête. Donc, tout simple. Donc, voilà, c'est tout con. Après, vous pouvez très bien poser des décos en layer 1, rien ne vous en empêche. Mais le problème, c'est que, par exemple, si on pose... Donc, je vais faire là un petit palmier en layer 2, pardon. En layer 2. Si là, je mets une pente, donc, qui est juste ici. Donc, je vais réduire ça. Si je mets une pente en layer 1, vous voyez que tout baigne, le tronc passe à travers la pente, donc ça va bien. Par contre, si là, mon palmier, je le mets en layer 1 aussi. Donc ça aussi en layer 1. Hop. Et que du coup, bah, ma pente, forcément, je la mets en layer 1, sinon Mario ne pourra pas marcher dessus. Et bah ça fait ça. Et le tronc, il veut pas. C'est pour ça qu'il faut impérativement le mettre en layer 2. Donc voilà, ça c'est fait. Donc pour l'exemple, je vais faire un petit rapide truc, vu qu'après on testera le niveau bien sûr. Et en layer 2, je mets bien sûr mon petit palmier, juste ici. Et voilà, comme ça c'est tout beau. Donc maintenant que j'ai ça, donc là, vous avez la base du posage de blocs. Ensuite, on a le Quick Paint, donc qui est un truc en gros pour avoir moins de problèmes en posant les tiles. Mais bon, moi perso, je préfère rester à la bonne vieille méthode traditionnelle. Donc en gros, le principe, alors là, c'est pas le cas avec le sable, mais en gros, c'est que contrairement à Mario Maker, si c'est le cas avec ce tile Z, Mario Maker par exemple, vous pouvez pas faire ça. Mario Maker, automatiquement en posant vos blocs, il va faire hop là tout bien, hop, il met les petits contours tout seul. Mario Maker lui va directement vous faire quelque chose comme ça. Donc vous allez me dire, ah bah Mario Maker c'est mieux. Bah non, parce que Mario Maker c'est totalement limité, on peut quasi rien faire avec, comparé avec les hacks. Donc voilà. Donc tout simplement dans cet éditeur là, vous êtes obligé de le faire à la main et de poser les trucs un par un. Donc il y a le Quick Paint Property, mais bon, moi perso, j'aime pas ça. Donc allez voir la vidéo de Sipelf, qui est un pote à moi, si on peut dire ça, qui a fait une vidéo aussi sur Edgy, dans laquelle il présentait cette chose. Donc allez y voir si vous voulez, moi je préfère rester à la bonne méthode traditionnelle. Donc bah tiens, je vais laisser ça là, ça va voler. Et ensuite, je vais passer des blocs. Donc, par exemple, moi, je veux... Alors, par exemple, une fleur. Alors, oui, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir un champignon? Parce que là, c'est forcément une fleur. Eh bien, en fait, il n'y a pas dans les blocs comme ça.
directement. En fait, c'est simple. Si vous posez un power-up comme une fleur, un pingouin, un hélicoptère, eh bien, simplement, ça vous donnera un champignon si vous êtes petit. Et si vous êtes déjà grand, ça vous donnera le power-up en question. Moi, je vais être une fleur. Si vous voulez que ce soit impérativement un champignon, vous allez dans l'onglet des sprites, vous cliquez sur Search, et vous pouvez chercher les sprites. Par exemple, un Goomba. Si je veux, je peux mettre un Goomba. Voilà. Et vous pouvez également, par exemple, je sais pas moi, comme on avait dit, les blocs. Donc, du coup, question block. Donc oui, bien sûr, c'est en anglais, hein, voilà, vous attendez pas du français. Donc là, block contains, je peux choisir ce qui contient. Donc par exemple, un mushroom, if small. Donc, en fait, je suis con. Je pensais qu'il y avait moyen d'avoir obligatoirement un champignon, mais non, en fait, c'est si on est petit, sinon on n'aura pas de champignon. Donc voilà, il y aura forcément un autre power-up si on est grand, si on est déjà grand. Et le marteau qu'on peut placer. Alors ça met une image de fleur de feu, mais en réalité c'est bien le marteau parce que le marteau n'est pas directement posable avec le PA0. Même chose pour les briques blocs, hein, qui... Merde, je sais plus écrire briques blocs qui sont ici. Voilà. Ensuite, on va faire par exemple un tuyau. Ici. Le tuyau, je veux qu'il me mène en haut ici. Donc, bien sûr, il suffit pas juste de poser, de prendre le Mario et le mettre dedans, si on n'est pas dans Mario Maker. Donc, simplement, ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'onglet Entrance. Et donc, on clique dessus, et après, on fait un clic droit ici. Ça va poser une entrance. Donc, déjà, là, c'est l'entrance 0. Donc, comme j'ai dit, entrance 0, c'est là où Mario apparaîtra au début du niveau quand on entre dans le niveau. Donc, ça, on y laisse là. Ensuite, on fait une autre entrance qu'on va paramétrer là-dessus, sur ce tuyau. Donc, on le règle en Pipe Facing Up. Pourquoi? Donc, c'est parce que c'est une. Donc, pipe, c'est le tuyau. Facing, ça veut dire est en face de. Ou regarde plutôt. Donc, pipe facing up, c'est en fait le tuyau qui regarde vers le haut. Donc, là, le tuyau, vous voyez, on est d'accord qu'il regarde vers le haut. Donc, c'est celui-là. Je veux que mon tuyau puisse entrer dedans. Donc, je coche l'ID, enfin, la case untrayable. On va mettre une autre qui va être le 2. Qui est un pipe facing up, du coup. Mais lui, je veux que quand Mario aille dans le tuyau ici et qu'il sort par celui-là, il ne veut pas re-rentrer dans le tuyau 2. Il peut pas. Donc du coup, je coche pas la case untrayable. Maintenant, je veux relier ces deux tuyaux. Donc dans celui-là, je sais que donc là c'est l'ID 2, donc dans dest ID, je mets 2. Et dest area, donc c'est la zone parce qu'on peut faire plusieurs zones. Donc là, au max, on peut en avoir 4. Donc, moi, c'est la zone, je suis dans la zone 1. Bien. Là, je suis par défaut. Ah non, je suis dans la zone. Attendez. Je suis dans la zone 2 là, je suis dans la zone 2. Donc je mets dest area 2. Enfin, je vais mettre une plutôt parce que je vais supprimer au final les autres zones en fait. Attends, quoi que. Ah non, en fait, j'étais déjà dans l'area 1. Pardon. Donc, du coup, c'est area 1. Voilà. Ici, c'est pas la peine d'y paramétrer vu que dans tous les cas, on peut pas re-rentrer dans le tuyau. Donc ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, on peut faire plusieurs zones pour les relier entre elles. Et notamment, c'est pratique pour pouvoir mettre un tileset différent. Car chaque zone a un tileset différent. Enfin, après, on peut faire des zones avec plusieurs zones avec un même tileset, mais bon, ça sert à pas rien. Donc, par exemple, cette zone-là, je peux la supprimer. Yes. Et je peux aussi faire ça, un setting et en ajouter une autre. Mais moi, je vais les supprimer parce qu'elles ne me servent actuellement à rien. Donc, celle-là, je vais les supprimer. Voilà. Donc maintenant que j'ai à peu près tout, donc j'ai mis mon Goomba, j'ai mis mon sprite, machin, etc. Je vais faire les locations. Et surtout les events. Donc tout simplement, je vais vous présenter quelques sprites. Donc déjà la location. Location, ou location en anglais, ce qui en fait est le même mot. C'est quelque chose qui, quand le joueur va dedans ou un ennemi va dedans, ça fait quelque chose. Et donc pour l'utiliser, on va utiliser un if. Donc vous tapez dans les sprites if. Donc vous cliquez et vous le posez. Donc là, on voit que ma location est à l'ID 1. Et moi, par exemple, je veux que quand Mario saute dedans, eh bien, ça, par exemple, ça pose un bloc. Un bloc brique, tiens, c'est bien ça. Une brique. Je fais donc déjà ignore enemy location, vu qu'on s'en fout de s'il y a un ennemi qui rentre dedans. Nous, c'est la location de Mario. Donc Mario location.
On va mettre 1 parce que vous voyez que c'est la location numéro 1. Target Event ID, ça c'est le numéro de l'événement qui va se passer. Donc par exemple, moi je veux que ce soit l'événement numéro 22 qui s'actionne dès que Mario rentre dans, dans la location 1. Donc quel power-up Mario aura ? Donc on peut dire qu'on s'en branle ou on peut définir avec par exemple Star ou je ne sais quoi. Nous on s'en fout, donc any. Donc Mario soit dans la location. Donc on a trois options, donc soit Mario est dans la location, soit c'est quand il touche le sol en étant dans la location, ou soit il est en l'air dans la location. Donc nous on veut qu'il soit dedans. Single use, multi use ou wild boost ou machin. Donc donc single use, ça veut dire que l'événement se passera une fois, c'est-à-dire on rentre dans la location, il se passe, l'événement se passe, et voilà, même si on sort de la location et qu'on re-rentre dedans, c'est terminé. Si on met le multi-use, bah, simplement, dès qu'on ressort de la location et qu'on re-rentre dedans, l'événement se refait. Et le only way boost Mario, c'est en gros, il faut que et Mario et l'ennemi soient dans la location. Donc nous, on a mis ignore enemy location, donc s'en fout. Nous, on va mettre en single use. Et switch mode, donc simplement, est-ce qu'on veut que l'event 22, ça l'active ou est-ce qu'on veut que ça le désactive? Nous, on veut que ça l'active. Donc j'ai mon if qui est prêt. Je peux le mettre n'importe où, du moment qu'il est à proximité de ma location. Ensuite, je vais faire un tile god. Le tile god qui est une sprite extrêmement puissante qui permet de poser un bloc ou de détruire un bloc. Ça doit être une des sprites les plus puissantes du jeu en fait. C'est pour ça qu'il s'appelle la tile god. God qui veut dire dieu. Donc, nous on veut donc que triggering event ID, c'est en fait à quel événement, enfin quand quel événement sera activé, le tile god fera son effet. Donc, nous on veut que ce soit l'event 22. On veut que l'effet ne s'arrête jamais. Et nous, est-ce qu'on veut... Donc là, on a tout un tas d'options. Donc, fill, donc c'est pour remplir la zone. Donc, bien sûr, fill, c'est pour... En fait, c'est ce qui se passera dans la zone plutôt. Donc, fill, c'est comme ça, voilà. Avec no effect, ça fera simplement pas d'effet. Donc, il n'y aura pas les textures de trucs qui se cassent, je ne sais quoi. No sound, ça fera pas de bruitage. Et no effect, no sound, c'est les deux. Checkers et inverted checkers, je vous avoue, je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai jamais utilisé ces fonctions. Donc, nous, on va rester sur le fil classique. Donc, au final, on peut très bien cocher no effect et no sound ici. Hein, donc, à la fin, ça revient au même. Block type. Donc, nous, on veut, par exemple... ici, là, pour les... donc, on peut définir, oui, une tile. Donc j'avais dit un bloc brick, mais au final on va en faire un autre. Donc par exemple, nous on veut que ce soit une tile du PA1, donc du tile set numéro 1. Et on veut pas que ça la détruise, on veut que ça la fasse apparaître. Donc sur après quelle distance, donc vous voyez on peut augmenter, donc vous voyez ça fait un petit cadre blanc. Donc nous on veut que ce soit sur ce truc là. Et dans quel layer ça va la poser, donc 1, 2 ou 0, nous on va rester en 1. Donc là j'ai mis tile from PA1, for PA1, donc ce sera de ce tile set là. Vous allez me dire, bah oui, mais comment on définit quel tile de ce tile set? Et bien pour ça, il faudra aller dans un éditeur de tile set. Donc moi j'ai puzzle, donc vous pouvez très bien en avoir sur internet. Hein, j'en ai mis un dans mon tuto numéro 5, donc allez le voir. Et je vais faire file, open, et je vais ouvrir mon tile set. Donc là, mon tile set, je vois que dans area setting. Il s'appelle P1 Sabaku. Donc, je vais aller dans mon dossier de stage. Newer, texture, PA1 Sabaku. Donc, il est ici. Si je le retrouve. PA1 Sabaku. Donc, j'ai mon tile set. Donc là, la colonne est... donc, colonne, c'est la colonne. Logique. Raw, c'est la ligne. Donc nous, on veut par exemple que ça pose la tile juste ici, que je viens de sélectionner, là où il y a ma souris. Donc, elle est où cette tile? Eh bien, regardez les colonnes, comptez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est la colonne 10. Ensuite, quelle ligne? 1, 2. Donc c'est la deuxième ligne. Voilà, je viens de définir. Alors, je vais vérifier juste. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, du coup, quand l'event 22 sera activé, cela posera le milieu de cette espèce de truc, la texture du milieu.
sur toute la zone là en blanc. Donc je vais faire en sorte que ça y pose par exemple. Ici. Et ce sera très bien. Ensuite, on peut faire la même chose mais avec des switches. Je vais prolonger mon sol. Je vais rajouter des petits. Enfin l'intérieur du sol. Et on va prendre un switch. Donc on va faire switch. Switch. Donc on en a trois. Le interrogation switch, le P switch et le exclamation switch. Donc en gros, basiquement, le exclamation switch et le interrogation switch, c'est les mêmes. Tout simplement. Et le P switch, il est à peu près pareil. Sauf que lui, il, en plus d'activer un event, il transforme les pièces en briques et les briques en pièces. Donc voilà, lui c'est simple. Hein. Donc on s'en fout du exclamation switch vu qu'au final c'est le même que l'interrogation. Et donc nous on veut que ça déclenche par exemple l'événement 11. Non, pardon. Que ça déclenche l'événement 11. Ici là le triggering event ID en fait c'est l'événement qu'il faut qu'il soit activé pour que ce switch apparaisse. Donc par exemple si je veux que mon switch apparaisse que quand l'event 22 soit activé, donc que quand Mario est déjà passé dans la location ici, je peux mettre 22. Moi je vais pas le faire mais voilà. False, c'est pour que le switch il tombe avec la gravité si jamais le bloc en dessous il est détruit. Nous c'est pas le cas donc voilà. Load at midway en gros c'est si on a comment si on le niveau a été commencé depuis le checkpoint. Si on a pris un checkpoint et voilà. No music interrupt. Tout simplement ça va ne pas interrompre la musique si le switch est activé, si jamais il a un temps. Donc nous déjà delay on s'en fout parce que celle-ci on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc par défaut c'est instantaneous, ça on s'en fout. Donc est-ce qu'il y a un temps limité ou pas? Donc si on met timed, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, bah, le switch se désactivera et l'événement qu'on avait activé se désactivera aussi. Nous on veut pas, on veut qu'on appuie et paf l'événement se produise, point, il se désactivera jamais. Donc on met non-timed. Color, donc ça dépend, enfin là c'est newer qui change ça. Donc en gros, c'est la texture, nous on garde le question mark. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il active l'événement ou est-ce qu'il désactive? Nous on veut qu'il active. Usage mode, donc si on met multi-use, ça fait que après le temps défini ou après le temps défini s'il y a un temps, eh bien le switch sera réutilisable. Si on met single use, eh bien après le temps, le switch ne réapparaît pas. Donc nous on laisse en single use. Upside down, c'est si on veut le mettre à l'envers. Et scale, on s'en fout, c'est pour la taille, mais laissez-le normal. Ça c'est fait. Donc je vais le poser là. Et maintenant je veux donc que l'événement 11, donc on peut faire des CTRL-C, hein, que quand l'événement 11 est activé, cette fois ça spawn un bloc brique, des blocs briques même, tout ici. Donc voilà, ça fera apparaître des blocs briques ici. Donc c'est tout con. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais vérifier qu'il soit bien aligné. Ouais, voilà, c'est souvent comme ça. Il faut qu'il soit bien aligné, hop, avec des blocs. Voilà. Donc là déjà on a un bon niveau. Voilà. Et voilà. Donc on peut aussi définir le background. J'avais oublié de le préciser. Donc le fond. Donc par défaut là c'est le truc de la plage. Parce que le niveau de base c'est de la plage. Donc par exemple je veux que ce soit Froggy Cavern. Tiens c'est bien ça. Par exemple je veux que ce soit ça. Ouais quoi que c'est moche. Voilà les pyramides. Ici la même chose. Et voilà. Je fais OK. Maintenant que ça c'est défini, normalement c'est bon. Bien sûr, on peut, il y a pas mal d'autres tails, donc par exemple la Starcoin. Donc on peut placer ici. Donc par exemple ça sera la première étoile. Il y a quoi d'autre? Ah oui, les Magic Platform. Ça aussi c'est une taille, enfin un sprite extrêmement puissant. Par exemple ici, je prends ça. Je le pose ici. Je peux le mettre la taille que je veux, mais bon, moi je vais garder un truc basique comme ça. Je vais le mettre dans une location. Je vais faire snap to grid pour qu'elle soit bien de la bonne taille. C'est location 2. Maintenant, je vais définir un événement d'activation. Donc en fait, cette sprite permet de bouger des blocs. Moi, je veux que ça s'active quand l'événement 3 est activé. Donc ce que je vais faire, simplement,
c'est que je vais faire une copie de celui-là, mais qui active cette fois l'événement 3. Hein. Et je laisse les mêmes options. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que donc là, ma location 2, donc j'y mets là. Et donc ça, en fait, ici, là, à l'endroit où il y a ce sprite-là, en fait, dans le jeu, il y aura ça aussi. Donc là, par exemple, je le mets là. Dans le jeu, ça, le truc apparaîtra là. Il y aura ça qui apparaîtra là, parce qu'il est dans la location 2. Donc bien sûr, il faut mettre dans location ID, il faut mettre 2. Hein. Ensuite, moving direction. Donc, dans quelle direction l'objet va bouger. Donc, moi, je veux qu'il monte. Donc, je mets up. De combien de blocs je veux qu'il monte, je veux qu'il monte, par exemple, de 10 blocs. À quelle vitesse. Donc, par exemple, je vais mettre la vitesse 10. Collision. Il est solide. Solide seulement au-dessus. Ou pas solide. Donc, nous, il est solide. C'est pour ça, d'ailleurs, mettez pas des pentes dans ce genre de truc-là. Hein. Mettez des trucs carrés ou rectangulaires. Et Z-order, ça, on s'en moque. Donc voilà, maintenant que ça c'est défini, à l'endroit où il y aura ça, du coup, il y aura ça qui apparaîtra. Donc je vais le mettre par exemple ici. Donc ça, bien sûr, je le vire, hein, ça apparaîtra là tout seul. Désolé. Voilà, d'ailleurs, je vérifie bien que ça recorde. Maintenant que ça c'est défini, on a notre magique plateforme qui est prête. Donc normalement, j'ai à peu près tout montré, hein, Koopa par exemple. Mettre un coup pas je sais pas moi là-haut et là d'ailleurs on peut chaque sprite d'ailleurs a une fonction différente par exemple le Goomba je peux changer de couleur je peux le mettre en belle là tiens c'est très bien et le Koopa aussi je peux le mettre par exemple dans la couleur black par exemple et donc là il y a deux couleurs donc couleur 1 couleur 2 donc si je veux par exemple la couleur 1 donc en black bah, je mets couleur 1 si je veux que ce soit la couleur 2 donc là c'est white donc blanc je mets en couleur 2 donc par exemple je mets un blanc donc voilà. C'est tout simple. Bien sûr, il y a les boss, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est un peu. Globalement, c'est tout. Hein. Oh, les song blocks et singing, ils sont tellement chiants, ces trucs-là. Donc voilà. Maintenant que tout ça s'est mis, normalement, ça devrait être bon. Bon, par exemple, je peux faire une Venus Fire Trap. Tiens, c'est bien ça. C'est une tente piranha qui crache du feu. Par exemple, je vais la mettre là. Désolé, j'ai un truc coincé dans la gorge. C'est extrêmement désagréable. Enfin, que je vais pas la mettre là, ça va être chiant sinon. Je vais mettre là-haut. Alors, je vais mettre un propeller parce que je vais en avoir besoin. Donc, voilà. Globalement, c'est tout. Hein. Bon, ça, c'est ces petits trucs-là, ça sert pas à grand-chose. Hein. Donc voilà, hein, globalement, vous l'avez. Hein, you have it. Donc vous pouvez poser plein de trucs. Par exemple, un frère marteau qui peut lancer, par exemple, des bobombes, des goombas, des spenny, des pièces, des blimmy balls, machin. Vous pouvez choisir s'il est normal ou en noir. Enfin voilà, quoi, ce genre de trucs. Voilà. En gros, c'est ça. Et bien sûr, le drapeau. J'ai failli l'oublier, celui-là. Le drapeau. Que nous, par exemple, on va le poser là-bas. On va extended les. Enfin, on va extend ça. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Hein. J'ai mon truc. Donc, voilà. C'est tout con. Il y a plein de sprites que je vous laisserai découvrir. Je vais pas vous les présenter une à une. Sinon, on y est encore demain. Donc, voilà. C'est tout con. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir tester notre niveau. Donc je fais un petit contrôle S. Donc il est là mon niveau. Je vais aller dans mon ISO Builder. Donc si vous ne savez pas, allez voir le tuto numéro 1 dans lequel je monte l'ISO Builder. Ça va permettre de faire une ROM. Mettre par exemple dans celui-là. Hop, stages. Ça du coup je vais l'appeler 11R pour real, enfin real in English. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ensuite j'ai mon truc, donc je vais prendre mon ISO qui se trouve juste ici et je vais pouvoir build mon ISO avec mon niveau. Donc c'est tout simple. D'ailleurs vous avez aussi les. Donc du coup vous avez tous les trucs de newer. Hein. Par exemple les masques, vous les avez.
Donc ça va tranquillement me build un ISO. Non, je vais regarder. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Error, can't create. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'ils y sont déjà. Excusez-moi. Droit d'administrateur. Oh, je sais. Oh, d'accord. Oui, c'est un truc qui m'était déjà arrivé. Je vais devoir prendre ce build ISO là. Excusez-moi, c'est un truc, un problème qui m'est déjà arrivé. De droit d'administrateur qui me demande sans aucune raison. Donc, pour pallier à ça, j'ai une modification. Bon, ça c'est un mec en gros sur Steam. Donc voilà, ça me build un ISO. Donc voilà. Donc oui, si vous voulez pas, en gros, c'est un petit problème de droit d'admin. Va savoir pourquoi. C'est moi-même, je comprends pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Mais bon, ça le fait. Qu'est-ce qu'on y peut? Voilà, il demande des droits d'administrateur pour des trucs qui n'ont pas besoin de droits d'admin, en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà, il veut pas. Il y a des trucs dedans qu'il veut pas supprimer. Donc voilà, il veut savoir pourquoi il veut pas. Saloperie. Comme ça, il voudra bien. Voilà, il veut pas. En plus, il dit il faut une autorisation de la part de je ne sais quoi, mais c'est moi l'admin. Donc je suis admin de mon PC, donc d'où il y a besoin d'une autorisation. Donc, généralement, ce que je fais, c'est qu'après sur un autre PC, je les supprime. Mais bon. Donc là, c'est en train de tout copier. Après, ça va recréer une ROM lisable, enfin lisible, pardon. Maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai pas fait la porte millénaire et Paper Mario. Préparer. Donc là c'est dans, je l'ai fait dans un truc de New Warwick qui est en que j'avais traduit en français où il y a toujours d'ailleurs une erreur. Et au fait, j'avais une idée à vous proposer. C'était, enfin à propos de New Warwick, c'est qu'il y a plein de vidéos sur YouTube postées par la New Warwick Team qui montrent en fait la bêta de New Warwick. Et du coup, eh bien, je me demandais est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives où le principe ce serait de recréer la bêta de Newer. À la fin, bien sûr, j'y mettrai en téléchargement. Et donc, de façon à recréer tous les niveaux perdus de Newer Wii, dans le but de les faire revivre. Donc, est-ce que ça vous tenterait? Moi, perso, je suis totalement pour. Hein. Bon, remarque, si j'étais con, je vous aurais pas proposé. Et voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je pense pas que ce sera si long au final cette vidéo. 38 minutes. Voilà le nettoyage. Et boum, ma ROM est créée. Donc, je vais passer Dolphin en mode vitesse illimitée. Ah bah, il y est déjà. Faudrait que ça prenne 3 ans pour lancer le jeu parce que je sais quoi, moi ça m'énerve. Donc voilà, ce fichier là, on s'en prend. Voilà.
Attendez, je reviens 2 minutes. Voilà. Donc je vais faire ça rapidement parce que je dois les bouffer. Par contre, ça rame comme pas possible. C'est parce que j'ai Chrome ouvert en même temps, je pense. Mais c'est vrai que ça rame beaucoup. En même temps, j'ai 3000 trucs d'ouvert. Et en même temps, cette map là, elle est énorme. Voilà. Donc, on va juste ici. Et donc, on va dans notre niveau 1-1. Donc là, c'est plage des palmiers, hein, mais bon, on s'en fout. Et donc vous pouvez voir, donc on a bien la musique du Freeze Flame. Si je rentre dans mon tuyau ici, ça m'emmène bien ici. Alors là, si la vitesse est un peu déréglée, c'est normal. Là, on a bien notre plan de piranha. Ici, on a bien un propeller. Je vais vérifier. La musique est si c'est assez fort ou pas. Bon, je vais quand même pas mettre trop fort. Hop, ça meurt. Donc voilà, la fleur de feu, le marteau. Par exemple, je peux prendre mon marteau si je veux. Ici, vous voyez, quand je vais dans la location, alors là, j'ai dû me gourer de colonnes. C'est, je pense qu'il faut faire... Il y a la colonne 0, oui, ça doit être ça. Mais voilà, en gros, ça marche à peu près. Là, ça a bien fait apparaître mes blocs briques. Là, je prends ma petite pièce. Et là, ça fait bien monter mon bloc. Et j'ai ensuite la fin du niveau. Voilà, donc tout marche. Tout marche comme sur des roulettes, comme on dit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, eh bien, abonnez-vous. Hein. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de tutos que je pourrais faire, n'hésitez pas. Et donc on se dit, eh bien, à la prochaine et merci d'avoir suivi. Salut.